faudrait qu'ils soient tous tendus à peu près de la même façon pour éviter d'avoir des bras comme on a qui soient lâches, quoi. Et qui participent pas. Simplement parce qu'on enfin, est plus tendu. Hein. Si tu mets, tu multiplies par 3 la tension générale, je pense que ça va. Et puis le cuir, je pense qu'il empêche que le. Oui, ça glisse. Hein. Que ça glisse, tu vois. Mm. Ça serait mieux de l'acier propre. Ouais, on avait dit bronze, mais c'est pas anachronique. Hein. Ouais, ça marche bien. Donc si je reprends les points, tu filmes bien. Bonjour à tous. Donc on va faire les points techniques, ouais, avec Bertrand Houx donc et moi-même pour et c'est Arnaud Fabre qui filme. Donc on va vous résumer donc les points techniques qu'on va aborder pour les modifications de la baliste. Et donc on a Fred Amardaille au téléphone donc qui nous suit. Donc le premier point, ça serait effectivement de tendre les cordes avec un système de cordage. À l'équivalence de 25 kg, je pense, non. Même moins pour non, les... non, beaucoup moins, c'est simplement, moi je dirais, même si on les tend à 1 kg et qu'elles sont toutes tendues à 1 kg, c'est suffisant. Après, on mettra en œuvre la torsion par les barillets et ça ira très bien. Ok, donc on va avoir un système de blocage qui va être très très long parce qu'il va falloir maintenir la tension, clairement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut qu'on travaille sur la sangle cuir. Avec donc Articuiro, c'est Cyril Ramos qui est un artisan du cuir qui travaille là-dessus, avec une sorte de poche qui va prendre le boulet pour le guider. Alors pareil, on avait ce problème-là effectivement du cuir qui frotte contre le rail central. Donc on va vous montrer comment ça marche. On est sur cette plissière-là, avec le boulet qui a tendance à frotter. C'est ça, on a beaucoup de problèmes de frottement et de ralentissement. Donc en fait, il nous faut une poche ici qui permette de pousser le boulet, si je ne me trompe pas. Le principe, effectivement, ça serait d'avoir un rail métallique au fond, que ce soit en bronze ou en acier, qui permette de glisser. Et là, effectivement, toutes les forces de frottement, enfin cette analyse-là de la tribologie, et Bertrand, toi, tu t'envisageais quelque chose? C'est limiter, en fait, la surface de contact entre le boulet et le guide. Et donc là, on viendrait en contact sur cet élément plan. Donc le boulet étant sphérique, on peut considérer que, allez, globalement, la surface de contact serait quasiment ponctuelle. Et on aurait un coefficient de frottement également moindre entre l'élément métallique sur lequel le boulet viendrait soit rouler, soit glisser. Donc on aurait... Et avec un accompagnement moins d'efforts résistants lors de la propulsion. Et donc une poche en cuir, en fait, qui se permettrait d'emmener le boulet pour éviter que la sangle ne passe en dessous, enfin, ce qu'on a eu comme problème. Ensuite, donc une fois qu'on a fait la sangle, parce qu'on tire avec des boulets quand même de 12 cm de diamètre, donc ils sont quand même assez lourds, ça va être 2 kg ou 2 kg 2 ou un truc comme ça. Un peu moins peut-être. 1 kg, ouais, donc 2 kg, donc il faut quand même les propulser. On a aussi le fait, ce qui va être important, c'est de poncer la queue d'aronde, parce que toute cette queue d'aronde, elle a été faite par Gustave Raymond, donc à la hache et au rabot. Donc maintenant, il y a un système de finition qui permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse, même si l'effet sera moindre, c'est vraiment de la finition. Ça, c'est juste pour avoir quelque chose qui coulisse mieux, surtout pour emmener ce crochet-là, vous voyez, au niveau de la sangle qui va la récupérer. Ensuite, on a le problème des bras qui se posent. Et ça, c'est du bras qui est assez mastoc. Nous, nos câbles, on les fait passer ici et ici. Et on a des cales, en fait, qui sont là et là, qui servent à contraindre le faisceau, c'est-à-dire à obtenir une tension importante. Torsion. Oui, une torsion importante, tout à fait. Ce qu'on veut, c'est donc avoir un couple de torsion résistant afin donc de tendre les bras et puis d'obtenir donc un couple de propulsion important. Okay, donc et pour ça, pour augmenter ce couple résistant, on va essayer d'écarter le plus possible les faisceaux pour générer donc ce couple résistant en torsion. Et donc on va mettre des cales, ce qui veut dire qu'on va légèrement entailler le bois pour avoir un système
de maintien. Et ensuite, je pense qu'on rivettera, enfin qu'on percera et qu'on mettra des gros clous ou des grosses goupilles, enfin quelque chose qui permette au cale de tenir, parce que la tension sera vraiment importante à ce niveau-là. Le deuxième point, en fait, sur le bras, ce qu'on va faire aussi, je ne sais pas si tu vas voir avec la photo. Ici, en fait, nos bras sont très lourds. Ils ont une grande inertie qu'il faut réduire. Donc, en fait, ce qu'on envisage de faire, c'est de enlever de la matière, ici, c'est-à-dire de réduire la taille du bras pour qu'on ait effectivement quelque chose de plus réactif, il me semble, en bout de bras. Et voir avoir un bras qui fléchisse légèrement lors de la tension. Un peu comme un arc. Voilà. Pour améliorer encore la proportion du mouvement. Ouais, ce qui permettrait de gagner effectivement quelques mètres, je pense. Donc une fois qu'on a fait ça, il restera sur d'autres choses, il restera la forge des pièces métalliques, donc celle-là que Philippe Dufault avec KS Motorcycles nous a fait faire. Donc nous, une fois qu'on aura fini nos tests, on les refera faire par des artisans dont Florian Barou, qui sont spécialistes dans la forge à l'ancienne. Donc ça sera une étape ultérieure. Il y a des barilés. Donc pour l'instant, c'est toi qui t'en occupes à l'école centrale. Voici notre premier barillet qui sort de moulage. Donc moulage au sable avec noyau pour permettre d'obtenir la partie centrale, donc creuse. Donc il y a encore toute la partie qui a permis d'alimenter en matière le moule. Donc que l'on voit ici sur la partie inférieure de l'écran. Bon, le barillet présente quelques petits défauts. C'était notre première réalisation de ce type. On va donc faire quelques modifications au niveau de notre processus d'élaboration. On va modifier légèrement les modèles qui permettent donc de réaliser l'empreinte dans notre moule qui est en sable. C'est des barillets qui nous servent à tordre justement le système de faisceau. Comme on a ici, vous pouvez voir sur le polygonos et l'ancienne mouture. Et pareil, ces barils-là, on va les faire en aluminium. Ça, c'est toi qui t'en occupes pour la fonte, il me semble. Donc, il nous en manque trois. Pour l'instant, on est avec du bois parce qu'on a fait comme d'ailleurs Alan Wilkins et Lance Morgan avec des cales en bois, en fait, hein, il me semble. Et on va basculer sur de l'alu. Et une fois qu'on aura testé tout ça, alors ça, c'est avec le lycée Hector Guimard, donc, qui est un lycée lyonnais qui forme au métier de la fonderie, donc, qui ils nous ont proposé bien, à terme de fondre ces barillets dans un alliage de bronze. Qui serait effectivement qui serait peut-être plus en rapport avec l'époque. Ouais. Donc ça, c'est ça. Et il nous restera un dernier point. Là il y a une partie de la baliste qui est démontée en attendant justement les rendez-vous de l'Antiquité de Lyon et le Festival européen latin grec, donc la semaine prochaine. Et il nous restera ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, un tabouret, parce que la machine, quand on est en train de remonter en cliquet, vous avez peut-être d'ailleurs vu les vidéos, on est quasiment près de la terre, donc c'est complexe de tourner, donc il faut surélever un peu la machine. On va faire justement un petit tabouret à l'époque, histoire qu'on puisse être calé. Donc je pense qu'on a vu à peu près toutes les modifications qu'on a à faire dans les 2 mois qui arrivent, jusqu'à mi-juin. Et je pense que fin mai, on ira la tester soit en carrière, soit chez toi, qui filme. Et après, on la montrera aux Journées européennes de l'archéologie le 13 ou le 14 juin, je ne me souviens jamais, mais c'est un mercredi, effectivement, avec tout le campus. Et après, on verra si l'étape suivante, c'est une fois toutes ces modifications faites, comment ça se comporte, et si on rajoute des brins, c'est-à-dire si on double les brins de cordes de tennis. Pour l'instant, on a 400 mètres sur la vraie baliste sur chaque zone. Peut-être qu'on passera à 800 mètres, c'est-à-dire qu'on passera à 4 faisceaux pour voir comment ça se comporte. Ça, on verra avec le temps, c'est le principe de l'expérimentation. Donc on a beaucoup appris hein, d'ailleurs hein, sur cette journée de dimanche.